Moi c'est Dom et je suis à la batterie. Moi c'est Guillaume, je suis à la guitare. Et Ryan, guitare et chant. Et donc on est Mind Awake. On s'est formé en 2015 avec Guillaume et Soufiane. Et puis ensuite on a été rejoint par Ryan et Norman avec entre deux quelques changements de line-up. Mais actuellement voilà, on est 5 et on continue à 5. Un peu tous frustrés dans nos projets précédents parce que ça marchait pas comme on le voulait, et donc la rencontre donc à Paris, puis après quand on a rallié Ryan d'Orléans, ça donnait quelque chose d'assez explosif au final, de 5 personnes vraiment très motivées et avec des choses à dire et surtout des choses communes. On est devenu un groupe stratège dans la mesure où tous les membres étaient stratèges. Ça s'est fait par défaut, en fait. Ça s'est fait plus ou moins par défaut, ouais. Tous abstinents à l'alcool, on ne touchait pas aux drogues non plus. On ne revendiquait pas forcément le stretchette particulièrement. Mais on s'est dit, c'est une scène qui nous intéresse quand même, qui est importante pour nous. Pourquoi pas le revendiquer? Et puis ensuite, progressivement, on a commencé, tout en restant là-dedans, à défendre d'autres causes comme la cause animale par le véganisme ou d'autres causes plus humanitaires diverses et variées, mais voilà, en s'ouvrant un petit peu plus à d'autres choses et sans se focaliser vraiment sur le straight edge pur et dur, quoi. Oui, qui est quelque chose de très personnel et propre à chacun, une ligne de conduite un peu très intérieure. Et par contre, c'est vrai que ce qui nous a semblé intéressant, c'était de développer des choses qui ne le sont pas vraiment franchement en France, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement cause animale. Parce que, donc c'est devenu quelque chose d'un propos politique, au même titre que la libération des femmes, la libération des minorités, qu'on n'entend pas forcément. Convergence des luttes. Voilà, convergence des luttes, exactement. Parler de toutes les oppressions. Je pense qu'on avait envie de donner un message un peu moins sommaire et aller plus loin. Le credo du groupe, c'est justement de faire passer ces choses qui sont un peu lourdes par un biais positif et énergique. On essaie de dire que c'est cool d'être vegan, plutôt. Enfin, tu vois, on essaie plutôt de prendre. Montrer du sang et. Ouais, c'est plus notre façon de faire, c'est de dire on peut faire ce choix de vie, on peut penser comme ça et être épanoui. Et après à titre personnel, je pense qu'on a tous on adore tous plein de groupes qui sont ultra négatifs et qui ont une vision beaucoup plus sombre de ces choses-là. Mais nous, à titre artistique, on préfère créer un truc un peu une émulsion un petit peu positive, quoi. Enfin, mais le public, comme je disais tout à l'heure, il a ce devoir. Enfin, normalement dans le hardcore, il a un petit peu ce devoir d'être actif, quoi. D'être politiquement un peu éveillé et puis de vouloir découvrir ce que dit l'artiste. En France, t'as peut-être plus un devoir quand tu fais de la musique t'as des paroles, t'as peut-être plus quand même t'as plus un devoir de raconter quelque chose qui a de l'intérêt et de faire grandir les gens de ton public, quoi, plutôt que de. On écoute tous des groupes où ça raconte de la merde et on aime bien quand même, mais. Un moment, si tu fais un groupe, autant te creuser et raconter quelque chose d'intéressant, quoi. Oui. Non, mais c'est moi, je trouve. Enfin, j'ai toujours pensé que faire de la musique et en particulier une performance live, ça reste une performance. Donc c'est une action, c'est un acte, c'est aller dans le sens de la cause qu'on soutient. Donc pour moi, oui,
c'est une façon d'agir comme une autre. Donc après, c'est sûr que il y a une différence entre des musiciens qui font un concert où les gens passent un bon moment et puis des manifestants qui vont se faire taper sur la gueule par les flics pour ce qu'ils défendent. Mais c'est pas une question d'hierarchiser, mais pour moi, oui, c'est clairement la musique qu'on fait, le hardcore en particulier étant politique, à tous les niveaux, hein, que ce soit composition, album, live, etc. Oui, c'est... on est activiste. Ouais. Allez, faites des tractions, hein. S'il vous plaît, faites un max de bruit pour Goulax. C'est son premier concert, il a fait deux répètes avec nous. Vous avez écrit vous dans votre chambre, comme j'ai écouté cette semaine. Vous n'avez qu'à jouer dans vous, c'est vrai. C'est pas pour les trucs. Surtout, et j'ai envie de dire, je vais parler pour lui parce qu'il n'est pas là, mais enfin, je vais pas parler pour lui, je vais parler de lui parce qu'il n'est pas là. Mais Norman, très honnêtement, ça a été un élément vraiment déclencheur parce que il est un peu plus âgé que nous, il a une culture musicale qui est commune à la nôtre sous certains aspects, mais qui est aussi différent. Voilà, et puis en fait, il nous a vraiment permis de casser un peu les barrières, le carcan dans lequel on pouvait s'enfermer en tant que jeune groupe. Et ça nous a permis d'inclure vraiment des influences qu'on n'aurait pas forcément eu le réflexe d'inclure auparavant, de sortir du truc vraiment du hardcore classique, standardisé. Il nous a vraiment permis d'ouvrir notre spectre d'influence et de nous libérer un petit peu. Et ce qui fait que la composition de l'album est devenue très, très plaisante. Dans la composition pure, il y a eu avant tout des morceaux d'Homme et Guillaume, sur lesquels une grosse basse batterie, quoi, sur lesquels ont été travaillés ensuite en répète avec l'avis de tout le monde. Où s'est rajouté Soufiane sur ses paroles, par exemple. On a tous rajouté un peu notre touche. Mais c'est un album qui est très efficace. Ça va droit au but, quoi. C'est un album sur lequel on a pris pas mal de risques et où on assume entièrement tout, quoi. Je pense que il y a quelques surprises dans le terme de mix, de son, de choix. Je pense que on a composé une démo classique. Sens voilà, punk hardcore du terme, c'est-à-dire avec des two-steps, des fasts, etc., en s'appuyant sur les influences primaires du groupe. Il n'y avait pas de lien. D'efficace, ouais, c'est ça. Hein. Il n'y avait pas de lien entre l'esthétique et puis la musique et les paroles et la musique. Je pense que c'était une période où on se recherchait beaucoup, ouais. En fait, où on ne savait pas encore où aller, quoi faire, comment faire évoluer le projet. Et puis, même si l'album qu'on a enregistré est encore un processus de recherche, parce que je pense qu'on s'arrête jamais de rechercher un petit peu notre but. La démo a fait son travail au final, parce qu'on a fait 4 titres et on a fait quand même pas mal de dates avec, et c'est le but d'une démo ou même d'un EP, je pense. Donc c'était purement une sorte de trop démarcher et puis d'avoir un truc pour tourner, quoi. Toutes les dates qu'on nous proposait, on les a prises, que ce soit des gros fests en Belgique ou des petites dates en province, en France. On n'a jamais eu de critères, en
fait de sélection sur jouer avec tel ou tel plateau, jouer avec tel genre de groupe, que ce soit du punk, de l'emo, du beatdown ou du hardcore classique. On nous invite, les gens ont l'air cool, ça nous va. Après on touche du bois parce qu'on a, on a quand même toujours eu des super dates, quoi. Comme il disait, il n'y a rien à regretter, quoi. Toutes les dates, très bien accueillies. Que ce soit en Finlande, en République tchèque, en France, en, parce en Allemagne, c'est... en Belgique, c'est, à chaque fois c'est génial. Moi j'estime que si tu es sur scène et que tu donnes tout et que les gens ne bougent pas, c'est que tu n'as pas encore donné assez, quoi. En fait il y a un côté où tu n'es jamais vraiment déçu de, du concert, quoi. Des fois ça arrive d'être fatigué, de dire bon bah là je ne vais pas m'amuser à me faire mal ou quoi, mais à sauter partout, à se péter la gueule, quoi. Mais je pense qu'il y a ce côté où tu donnes tout, quoi. C'est comme si tu faisais du sport et qu'à chaque fois tu rajoutais, tu fais de la course et à chaque fois tu dis allez je rajoute 5 km alors que t'en peux plus, quoi. Et ce côté là je pense qu'on recherche un peu de l'adrénaline, quoi. Donc, on espère que l'album sortira au printemps. Il est prêt. Il est prêt, voilà. Il est tout prêt. On recherche un label. On a déjà nos idées. Et puis après... on a des si très belles dates. Si on peut faire suivre ça par des tournées et puis des dates à l'étranger, on sera ravis. On a des beaux projets européens et puis internationaux qui restent à préciser, mais en tout cas, c'est une bonne augure. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.